Salut. Donc, on s'était arrêté à la fin, au début plutôt du 8e donjon. Et là, bah, j'étais dans la merde puisqu'il fallait remettre les trucs. Et j'ai fait une connerie en plus, car je n'aurais pas dû quitter la salle. Vous voyez la salle où faut colorer les dalles là, en marchant dessus. Bah, j'aurais pas dû la quitter. J'aurais pas dû la quitter parce que en fait c'était la salle où on avait le gant. En plus je suis con pourquoi je l'ai quitté. Allez hop, c'est parti. Alors elle est par là je crois. Ouais, ça va être en bas. Voilà. Donc là on va d'abord tuer les monstres, hein, sinon c'est mal parti. Oula. C'est un bon petit combo. Donc à mon avis c'est pas de la tarte. À mon avis, hein. Oh bordel, en fait faut terminer par là. Oula, ça va être dur. Donc faut forcément terminer par la gauche là. Donc attendez, je vais tenter comme ça. De toute façon, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Je crois. Je me suis loupé là. Non, c'est pas possible. Non, c'est foutu. Parce que même si je... Ouais. Oh putain, c'est pas ça. Attendez, je vais tenter autrement. Si je fais... Si je commence comme ça. Ça a marché. Voilà, bon, on a le gant niveau 2 maintenant. Qui s'appelle le gant de force, de rock, de ouais. Hein? Bracelet? Sérieux? Waouh! C'est les Français de haut niveau. Mais ce que vous avez dit, ça veut strictement rien dire ce qu'ils disent avec les essences. Il dit la vérité aux oreilles fermées. En plus, putain, il résonne à travers le temps, non, à travers la plaine, pour les cœurs insolents, enfin bon, c'est un petit peu, ça veut un petit peu rien dire, c'est pas grave, on les pardonne. Alors, bon ben maintenant on peut soulever les coffres qui étaient, on pouvait pas soulever, ah ben en voilà un d'ailleurs, enfin pas les coffres, les... Mais vous allez arrêter de m'emmerder. Oui. Putain, mais ils sont résistants en plus. Hop. Putain, mais en fait, fallait pas, ouais, fallait pas inverser les trucs, c'est bon. Ouais. Je crois que c'est ça qu'il fallait faire. Ah non, non. Ah oui, j'ai compris. Je viens de piger. Je me rappelle maintenant. Attendez, y'a rien en bas ou. C'est bizarre qu'on nous donne des bombes ici. Pourtant, y'a rien. Alors.
Qu'y a-t-il donc ici? Ouais. Donc c'est ça. Faut faire comme ça en fait. Bon, je crois que j'ai oublié un coffre, enfin un coffre, un truc à soulever là-bas, mais bon. Ouais, c'est ça. Alors là, surtout pas tomber, sinon on doit se retaper le truc en sens inverse. Et ça va être chaud. Voilà. Ah, parfait. Ouais. Et ben voilà, c'était le seul moyen d'arriver là en fait. Ah oui, il faut trouver 4 tablettes, hein, je vous l'avais dit. 4 tablettes qu'on va devoir placer au centre du donjon. Je sais même plus pourquoi, peut-être pour aller chercher avec les boss ou... ouais, pas la peine de reprendre ma vie. Oups, j'ai rien dit. Oh merde, je sais même plus comment on le bat lui. Alors plus du tout quoi. Ah. Ah bah oui, je me rappelle. Vous voyez Aghanim, vous vous rappelez qui c'est? Aghanim dans A Link to the Past, ben, c'est exactement la même chose. À part que là, une fois qu'on lui renvoie sa truc, ça lui fait pas perdre de la vie, mais ça le transforme en chauve-souris en fait. Ah le con, j'ai pas eu le temps de le toucher plusieurs fois. Alors faut bien regarder sa boule, si elle est comme ça, voilà, vous sautez, vous esquivez. Eh? Donc c'est le mini-boss le plus dur du jeu, hein. Mais il n'est pas si dur que ça en fait. Faut juste savoir faire quoi. Faut toujours se mettre en hauteur par rapport à lui, ou en bas quoi. Enfin, je garde pas sur les côtés parce que sinon on peut pas lui renvoyer la boule. Ah oui, il fait mal aussi. Hein. Oh bordel, 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 bordel. Le con. Ouh. Parfait. Là j'ai eu chaud. Alors, on va d'abord commencer par éliminer les ennemis là. Oui, il va faire plusieurs vidéos dans le vent, c'est sûr. Ah merde, c'est pas. Voilà, il a la force de Hercule, le mec. Hein. Il soulève n'importe quoi. Avant de faire ça, on va quand même retourner par là. Parce qu'après, s'il y avait un truc à faire dans cette salle... Bon, j'ai pas la boussole, donc... Ah, voilà. Bah, alors, c'est là qu'il faut mettre les tablettes, en fait. Essayez pas d'allumer ça, on peut pas. Faut juste placer les 4 tablettes. Pour passer à l'étage d'en dessous. J'aurais peut-être dû passer par le truc, là-bas. Ouais. J'suis obligé. Vous voyez, c'est assez facile de se paumer, hein. Que c'est très grand. En fait, les étages au début c'est un carré de 4 cases, puis un carré de 16 cases, ensuite un carré de 20 cases. Enfin, vous avez compris. De plus en plus grand. Quoi. Donc là, je vais un petit peu au pif. Non, en fait, je vais retourner là-bas. Je fais n'importe quoi là, je me balade, je perds du temps. Bon. Donc c'est où que je voulais aller? Oui, c'est ça. En haut et à gauche. Non mais là on peut pas retomber, c'est ça le problème. Donc après je suis obligé de... Ouais. Parce que
que là en fait si je fais ça, je peux pas revenir en arrière si je quitte la salle. Ah bah si, pff, moi je suis con. N'importe quoi moi. Oh. Putain, je suis en expo là. Deux monstres avec le grappin. Ouais, on peut passer par là, ok. Oula. À mon avis, il y a une tablette ici. Donc voilà, j'ai vraiment aimé aussi le truc des tablettes. Hein. Et forcément, c'est dans ce donjon qu'il y a le truc d'eau ultra dur. Et en plus, là, pour une fois, j'exagérais pas. C'est vraiment ultra dur le truc de l'eau. Donc c'était pas dans le système donjon, on est dans le 6ème, c'est forcément dans celui-là. Voilà, une des tablettes, ça se voit tout de suite. Hein. On aura un trompe qui fait la gueule. Bon. Clac. Merde, il y avait une salle en bas. Non, on peut pas. Ouais. Ah oui, bah oui. C'est la salle du... Ouais. Faut passer par en tout pour atteindre le coffre. Ouais, bon bah on va continuer. Quand même, des fois je dis des trucs, mais vachement utiles quoi. Alors... Cette salle... Bah hop, une ardoise. Une ardoise, une tablette, on s'en fout, c'est la même chose. Hein. Ouh, comment j'ai fait ça moi? Je me suis même pas rendu compte que j'ai appuyé sur la touche. Putain, des fois je fais des trucs quoi. De taré. Alors. Bon là bah je vous conseille de tous les tuer hein, comme d'hab. Parce qu'ils vont nous foutre la merde sinon. Viens là toi. Hop. Et ensuite, vous connaissez le principe, solidifier la lave et foncer. Donc, toujours la solidifier au maximum. Merde, j'en ai oublié une. Et une autre tablette. Donc celles-là, elles sont sympas à voir, hein, mais attendez les autres. Merde, j'ai oublié d'aller là. Yeah. Ça servait à quoi ce truc? Ah oui, d'accord. En fait, je vais au pif et je tombe sur les bonnes salles. Je sais pas trop comment je m'y prends pour faire ça, mais j'y arrive. C'est l'essentiel. Hein. Ça sert à rien du tout. Bon, ben on va remonter. Alors. Ça quoi déjà Eh ce côté. Pourquoi est-ce que je fais pas une connerie là? Non. Oh pif. Oh putain. Eh mais j'ai une chance de cocu aujourd'hui. Ah oui, je me rappelle ça. La salle du boss est juste au-dessus, ça je me rappelle. Parce qu'il y a une petite énigme sympa là pour passer la clé. Ouais, voilà. La salle du boss est là, mais on peut pas l'atteindre. C'est con. Hein. Merde.
Attendez. En plus, on est obligé de passer par là pour bouger le cube. Alors, comment on fait déjà? Mais c'est con, on peut pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je vois pas comment on peut faire autrement. Ah bah oui, c'est ça. Voilà, maintenant on peut sauter. Tandis si on revient, est-ce que ça renlève le cube? Ouais. Merde. Je sais pas si je passe par là direct ou si je vais d'abord faire les autres trucs. Ouais. En fait j'avance mais sans faire exprès. Bon, je vais d'abord passer par là en fait. Faut pas que j'oublie de revenir. Ah d'accord. Les cons. Bon bah je le referai après. Ah alors ça c'est une salle assez dangereuse. Hein. Donc la meilleure tactique consiste à se mettre... Merde. À se mettre ici et faire comme ça. Voilà, en général c'est assez sécure de faire ça. Hein. Ah j'en ai encore un autre là. Ah non. Ouais, en fait c'est la tactique la plus sûre mais c'est aussi la plus lente. Ouais et puis merde, allez hop, on y va là-bas. Hein. Merde. Oh putain. Peut-être dû faire le truc du wagon en premier en fait. Parce que là je crois que... Ouais. Ouais, j'aurais dû le faire en premier. Tant pis, je retournerai plus tard. Oh putain, non, c'est pas là. Pitié. Bon, fallait bien le faire un jour. Hein. Bah écoutez, je crois que c'est ici l'enfer dont je vous avais parlé avec de l'eau. Bon là, il va falloir tuer tout le monde, je présume. Ouais. Alors quand vous allez voir à quoi ça ressemble le truc. Voilà, vous avez compris. Vous voyez le truc à droite, mais faut passer dedans. Ah putain, mais ça tombe bien que ça soit la fin de la vidéo, comme ça je vais pouvoir la recommencer. Allez, je tente une fois avant de couper la vidéo. Ça commence bien. Je risque de crever ici, hein, je vous le dis. Attendez, une petite sauvegarde rapide, puisque de toute façon je vais couper. Clac. Allez. Vous voyez, ça c'est le plus simple, hein. La salle d'après est encore plus dure. Donc voilà, c'est ici l'enfer. Et donc, à plus, salut.